Bah, comme d'habitude, comme depuis la deuxième partie de saison, on s'entraîne très bien, on fait des bonnes semaines, on est sérieux, on prépare très bien ce match. Et, bah, on a reçu deux fois, donc là on va se déplacer deux fois, donc très très motivé. Non, on a fait une bonne semaine, pas de focus particulier. Non. Bah, déjà, on a donné moins de points qu'on en a donné contre Perpignan, donc ça nous a bien aidé. En défense, on a été plus agressif, plus meilleur sur les premiers contacts. Et après, on a réussi à scorer assez vite et à gérer le match. Donc, non, performance plus aboutie contre Perpi. Donc, il faut qu'on s'appuie sur ce match-là. Je vous maintiens. Là, c'est des matchs pour eux qui sont décisifs. Mais bon, pour nous aussi. Donc, nous, on joue la montée, ils jouent le maintien. Donc, je pense qu'on va y avoir deux équipes très très motivées pour gagner. Après, ça restera un match de rugby. Hein. Voilà, c'est celui qui va en mettre le plus qui va sûrement gagner. Donc, ça va être d'abord une guerre, ouais, je pense, physique. Et après sur le rugby, il va falloir qu'on soit meilleur après. Meilleur qu'eux. Ouais, ils peuvent nous embêter parce qu'ils sont aussi une équipe très très joueuse et qui joue bien au rugby, donc non, sincèrement, on s'attend à tout. Ah non, là, il n'y a pas de fatigue, hein. On arrive dans les matchs les plus intéressants de l'année, donc non, je suis toujours en canne, même mieux qu'en début de saison, je dirais, vu que j'ai beaucoup joué, donc... Mais casse les couilles, bordel! Ça, tu pourras le laisser aussi. Non, toujours la même motivation. Donc, je pense que j'ai pas d'excuses, je suis même plus en forme que certains joueurs. J'ai beaucoup joué. Il n'y a pas de soucis.